Spécial Fashion Week à Paris où on enchaînera les bons plans et les bonnes adresses sexy, glamour, incontournable pour une fashion addict qui se respecte. Pour cette Fashion Week parisienne, je vous emmène dans les coulisses des défilés d'Alexis Mabille à Barbara Bouille ou encore le défilé des Tam qui, comme chaque année, nous réserve des surprises. Je vous fais visiter le sublimissime palace parisien, le Royal Monceau. Ma pause gourmande chez les fées pâtissières ou bien encore au café Pinson, 100% bio et ultra fashion. J'en profite pour vous faire découvrir mes adresses préférées à B33, By Marie ou encore mon photographe Frenchy préféré, Fred Mélan. Donc c'est parti pour un moment glamour dans la plus belle capitale au monde. From a dream and feel like what I saw was real. Now, one way or another, I found a way to beg, borrow, or steal. How? 'Cause hopes and dreams don't make a man, but the man can open dreams. Close my eyes on another day. Now I just gotta wait and see. Some days I wanna find the love that I'm so lucky to have. Maintenant, nous arrivons à l'hôtel Salomon de Rothschild. C'est ça tout le chic parisien pendant la Fashion Week, c'est d'arriver dans des endroits complètement insolites et surtout mythiques. Cette fois, c'est Alexis Mabille qui va nous faire le privilège de présenter cette collection de prêt-à-porter Spring Summer 2014 après avoir présenté sa collection Haute Couture. Alexis Mabille, il faut quand même savoir que c'est un petit peu le chouchou de la création et du design artistique en ce moment. C'est un ancien de chez Dior, il designait tous les bijoux fantasy et il a décidé de par sa famille, puisque sa mère était couturière, de lancer sa propre marque. Alors il nous a vraiment créé aujourd'hui un vrai parcours du combattant. Les filles vont arriver jusqu'ici pour se faire photographier par la presse internationale. Et elle continue dans toutes les salles qui sont absolument divines, comme celle-ci. En plus, il fait beau aujourd'hui, ce qui est quand même assez rare à Paris, désolé du peu. Mais bon, avec la luminosité et puis surtout ce lustre, voilà. Alors ça, c'est la beauté des Fashion Week à Paris. On n'a pas forcément ça à New York. Mais il faut savoir que quand la Fashion Week a vu le jour à Paris en 1973, eh bien, tout se passait au Louvre. Et maintenant, vous avez la chance d'avoir accès à des musées, au Grand Palais, à des endroits absolument fantastiques, uniques, où vous n'auriez pas l'idée de venir pour un défilé. Arrivé depuis longtemps de se retrouver dans un backstage avec de la lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à New York, généralement, il fait très très sombre et on est surtout dans une tente. Donc là, forcément, ça a un petit peu plus d'allure et surtout d'élégance à la parisienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le style de ta collection de manière générale? Alors la collection est plus une attitude, un mode de un savoir-vivre, un mouvement. Et toute la collection, que j'ai appelée un coup de vent en fait, est basée sur des asymétries de tissus, le tissu qui vient virevolter sur le corps, qui fait comme des effets de foulard ou de châle qui dégringole sous une veste. C'est une collection comme ça où il y a un gros travail de coupe, mais tout ça paraît d'une évidence totale et tout dégringole comme ça. Donc on mélange les codes qui sont la chemise, le nœud papillon, le sportswear, le jogging smoking, qui est vraiment le point fort de la collection. Et pourquoi tu avais envie de mouvement plus particulièrement? Parce qu'on est tous débordés et qu'on n'arrête pas tous de faire des choses. Et finalement, c'est assez actuel, je trouve, d'être débordé. Écoute, j'aime ça, d'être hyperactif. Comment ça se passe pendant le défilé? Tu nous mets une musique
du tout. On bouge. Non, en plus, la musique est beaucoup plus douce que ce que j'ai pu faire auparavant. Ouais. Donc, c'est très, très français le début, avec une histoire comme ça d'une certaine fille qui s'appelle Françoise, qui est un peu déprimée comme ça, qui parle avec une de ses copines, qui lui dit qu'elle est laide quand elle pleure. Et elle est très cool comme ça, et on monte en puissance jusqu'à la fin du show. Voilà. Il avait raison, c'est vrai que c'est très sport chic avec des sweaters recouverts de transparence et de paillettes, des chemises attachées à la taille. Toujours dans le glamour, la féminité et l'élégance, c'est tout ce qu'on aime.